C'est bon pour moi. Allez, let's go. Tu connais vraiment pas, t'as pas regardé de vidéo ni de live ni rien. C'est simple, regardez bien, ok. Je vais le redire, je le dis une dernière fois. Je n'ai jamais ouvert ce jeu. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je l'adore, mais j'y ai jamais joué. J'ai regardé plein de live, plein de vidéos, mais je n'y ai jamais joué. T'appuies sur la touche croix de ta manette. Ouais, sauf que je joue au clavier du coup. Clavier ? T'as pas une manette ? Attends, pourquoi c'est pas bien ? Attends, t'as pas, une petite manette ? Ah, j'ai oublié de te prévenir. Attends, mais de quoi prévenir ? De quoi ? On est à côté là ? On est à côté. Ça me pousse. Pourquoi il me tient ? C'est bon. Oui, est-ce que 6 éliminés ? C'est bon, 6 éliminés. C'est bon. Non. Plus que deux, ça passe. Allez, Jordan, tiens. Dis-toi que c'est une question de vie ou de mort. C'est bon. Tiens, allez, plus que deux, c'est éliminé, c'est bon. On peut les pousser, vas-y. Abrégé, là. Yes. C'est bien fin pour toi. C'est bon ça. Yes. En vrai, c'est bien parce que celle-là, c'est pas la plus facile. Hein. Bien sûr que c'est pas la plus facile. C'est normal quand on a du ski. Donc, tu attrapes des œufs qui sont au milieu et tu les mets dans ton camp. Okay, bon. C'est comme si c'était Pâques. Prends pas les dorés. Les dorés, laisse-les aux pros. De quoi, gros? Prends les œufs. Là, derrière nous. Tu prends un œuf, tu l'attrapes. Comment je fais? Tu l'attrapes et tu prends. Lâchez-moi, lâche! S'il te plaît. Fais ça bien. Voilà. Non. Reste appuyé sur la touche avec ton petit doigt sale. Tu les mets dans notre camp. On est premier pour l'instant, ouais, largement. Ouais, j'ai pris un petit coup de marteau, mais ça va. Un petit coco pour moi. Hop, j'ai fait un attouchement, je suis désolé. Oh, laissez-moi l'œuf. Pour moi, voilà, je vous baise. Allez, c'est bon, je vous baise. Pas ici. Merde. Oh, je l'ai pas mis à mon endroit. Attends, gros. Michel est bleu. J'ai un œuf doré. Vas-y, viens. Ils me coincent tous. Je pète un plomb, ils me coincent tous. Faudra faire les gardes du corps. En mode, tu empêches les autres de prendre chez nous. Mais lâche-moi, ouais. Mais lâche-moi, frère. Je me bats avec des autres, là. On me bat pour notre survie. On est largement devant. Allez, lâche cet œuf, enfoiré. Voilà, c'est ça qu'on veut. Lâche cet œuf. J'ai gêné tout le monde. J'étais en défense. Il va falloir que tu sautes et que tu plonges pour atterrir là. Ouais, bien joué. Ouais, t'inquiète, je connais un peu. Hein. Oh putain, ça y est, c'est la fin. Allez, viens. Oui, yes, tu vas en finale, mec. Voilà, je suis en finale. Y'a quoi maintenant? Je suis en finale, y'a quoi? Tu vas en finale, putain. Je pense que c'est exceptionnel, les gars, vous pouvez faire plein de clips, vous pouvez faire plein de choses. Allez, t'es en finale. Là, tu sautes et t'esquives. Ok, t'as compris, hein. Viens, on va dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Viens, reste là, on se met ensemble. Ouais, et dès qu'il y a une plateforme qui bouge, faut que tu t'en ailles. Reste en team. Tiens, je le pousse vite fait juste pour lui mettre un coup de presse. Non, parce qu'après, si lui c'est un bon joueur, et il te fera la même, mais sauf qu'il te fera tomber. Barre-toi. C'est bon, tranquille. On est séparés, gros, je suis pas bien. On est séparés là. Je suis pas bien, je suis seul et je me sens pas bien. Mais tranquille, c'est bon, je suis avec Monsieur Pigeon. Je l'ai un peu brusqué au début, c'est vrai. Je suis qu'avec un autre mec, moi. On est que deux. Il me regarde, je vois qu'il me regarde. Je vois qu'il se dit potentiellement, je vais le pousser. Oh, il m'a poussé là. Là, ça va commencer à se pousser là, tu penses? Vous êtes beaucoup, nous, on est que deux, nous. Attends, mais on est trop bien, nous. Attends, mais nous, on tombe tous là. Bah. Non, c'est non, voilà. Je sais pas pourquoi. Mais bon, parce que t'es trop fort et parce que t'es accompagné de moi-même. C'est pour ça que t'as fait top 1. Allez, j'ai mon titre de rediff de VOD là. Bah ouais, en vrai. Bah en fait, comme j'ai fait top 1, toi aussi t'as un peu fait top 1. On est d'accord. Parce qu'on est un là, peu comme les deux couilles d'une bourse, tu vois. Ah, belle analyse en tout cas. Belle analyse. Franchement, vous en pensez quoi, vous? On est comme une boule vanille et pistache, non, je trouve. Vous en pensez quoi, le chat? Là, j'ai mis une masse de compression. Je sais pas si ça s'entend, la différence. Attends, parle. Vas-y. Dis-moi une phrase très romantique et très... genre, qui pourrait me faire frissonner. Qui pourrait te faire frissonner? Alors, faut que je me place un peu dans un contexte hivernal. Hivernal, parce que ça va te faire frissonner. En fait, je te conditionne déjà à avoir la chair de poule. Vas-y, conditionne-moi à avoir la chair de poule. Écoute, t'es comme un flocon de neige. Dès que tu te déposes sur moi, je ressens comme une envie d'être en été. Travailler l'entraînement, c'est là ou pas? J'étais en train de chercher un sens pendant que je l'ai dit. Est-ce qu'il y avait une différence ou pas? Là, j'ai remis comme avant, là. Je viens de hurler, ma meuf, elle me dit, calme-toi, frère, le boss. C'est humiliant. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire, j'ai lancé un live et j'ai fait top 1? Par extension, un peu vite fait, mais j'ai fait top 1. Qui peut lancer un live aujourd'hui? Déjà, qui peut lancer un live? Parce que la plupart des gens habitent à 30 km d'une grande ville, du coup, ils ont pas la connexion pour le faire. Qui peut lancer un live alors vous êtes en ADSL? Mais franchement, en vrai, là, en vrai.
en tant que joueur qui vient de commencer, ok, mm-hmm. qui vient de lancer le jeu. Tu me notes combien sur 10 et on finira là-dessus. Quelle est ma note sur 10 pour finir ce live sur 10, prends ton temps. Je te mettrai 3,5. Ok. Ok, c'était sincère. Ah, j'ai compris la sincérité. T'es un peu un mec comme moi dans le sens où tu mets du temps à comprendre, mais une fois que t'as compris, ça va. En vrai, tu t'es bien défendu, donc c'est pour ça que je te mets un 3,5. Ok.